na ba valeur politique à République démocratique du Congo, une émission scientifique et pédagogique qui s'appuie bande ko ba rataka ba leçon na bande de l'école à travers émission au ezara plus pédagogique ba osa plus na facilité à ko récupérer en yo osa na besoin collègue na émission les valeurs des seniors ligne tout ça leur promotion yo ligne tout promouvoir yo. Benga biso na numéro na biso à contact. Au limite tout ça là, reportage ya makasi, peu importe nature ya reportage wana. Soko benga biso contacter biso et que remplir ba conditions requises toko yamba pe to répondre positivement na émission topé na ba reportage topé na ba contrat topé na ba rendez-vous nyo so toko entretenir na bino invité na biso kombo na ye mama Candide Okekwazali, présidente ya résistance RDC topé président ya pilotage stratégique topé CNRC Ozali Moko Balingo Mboko Sangisara ba résistant ni sur République démocratique du Congo ensemble na ye tokoyoka ba déclaration asali par rapport ya docteur Denis Mukwege Ozali prix Nobel ya République démocratique du Congo topé déclaration ya Corneille Nangazaki président ya CENI na ba élection c'est le mec qui na 2018 na République démocratique du Congo mingi mingi bandeko belé oyo ba tu ko sala ba déclaration na bango contre Félix ba mama Candide Okekwazali biso pe point de vue na EP Félix tu ko lané na 78e assemblée générale na tribune des Nations Unies tu ko sala ma récemment awa mama Candide Okekwazali tu ko spécial biso point de vue na e sans plus tarder to landa nanu belema on a zo ko proposer bino non seulement les congolais ba congolais to monika ka Jean-Pierre Bemba Ozali président national ya MLCP ministre de défense na gouvernement Assa Malukonde 2 et puis cardinal Fridolin Ambongo a pesa ka point de vie na ye mais tout monde ba étranger ou ba pesa ba point de vie na bon par rapport ya déroulement de l'élection na République démocratique du Congo ce qui régit abongisi a ye bana ko balancer ango fait ki ba deko ba landa bo to zonga to continuer émission na biso c'est parti sur l'élection dans la République démocratique du Congo, j'ai fait observer que les résultats ne semblaient pas correspondre à toutes les informations que l'on pouvait avoir par ailleurs de sortie des urnes. J'observe que je n'étais pas le seul, puisque le lendemain, l'Union africaine a fait la même déclaration, en s'interrogeant même sur la nécessité de recompter les bulletins. Mais là, il s'agissait d'une élection en cours qui s'est achevée finalement par une espèce de compromis à l'africaine que je ne vois pas pourquoi on le remettrait en cause aujourd'hui. Et M. Tshisekedi est devenu président dans une configuration très, très particulière et propre à la République du Congo. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soit pas conforme aux résultats que l'on a pu constater. Comment vous savez, ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui sont totalement différents. Donc vous craignez des troubles. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Nous avions organisé une mission d'observation avec plus de 40 000 observateurs dans le bureau de vote. Et selon la technique que nous avions appliquée, les résultats de notre observation s'est passé de tout commentaire. Qui était le vainqueur de la présidentielle? Il était clair que M. Martin Fayulu a été élu, d'après les résultats de notre observation, à plus de 60%. Mais comme vous le savez, c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé. Nous avons eu le temps de dénoncer ce qui a été un mensonge spectaculaire. Mais nous constatons aussi que l'institution présidente de la République continue à fonctionner. Et pour le moment, c'est Félix Tshisekedi qui occupe ce poste-là. Nous n'avons d'autre choix que composer avec celui qui occupe la fonction présidente de la République. Seulement, nous constatons aussi qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Et nous avons quelques inquiétudes à ce sujet, s'il aura vraiment tous les attributs. C'est un deal qui a eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et nous sommes désolés de dire qu'en réalité, le président qui aurait dû être désigné et élu par la population et désigné par la CENI, c'est bien Martin Fayulu. Il y a aujourd'hui un débat autour des propos que
Lumumba aurait présenté parlant d'un accord politique. Je confirme qu'il ne sait pas qu'il y a un accord. Voilà. Madame Okeke, ceux qui aux alliés prêtes, to PCO déjà maloba. C'est parti. Côté na binonyo so bourgeois mangoura na binon pona kolanda biso na mokola lelo. Naye un peu commenter un petit peu l'actualité, en tout cas deux trois points d'actualité ya mboka na biso, mais en même temps na sali libino moi déclaration o ya biso ya bana oyo to sangana ina lingoma ya Pareco, en tout cas ba oyo bazala nangai na groupe to mibenga a Pareco RC na RC waneza résistance congolaise po na banungu ngo tozwaki. Il a fallu que to se différencier na bao balanda ki papa et bama etc. Donc biso to lokwa to zana site na biso communication o ezalaka 3w.resistancecongolaise.fr yangwana to mibengara apareko RC pona ko différencier biso pe biso to za bao yo pe to tikala na kati ya CNRC Conseil national ya résistance congolaise oyo papa ngwanda azalaka ko kamba o ngana koma ko kamba pe lelo en tant que responsable du pilotage stratégique ya CNRC, donc Conseil national ya résistance congolaise. Na ye na déclaration na sali tout à l'heure ezalai parce que ce bolanda ki un peu bao balanda ki un peu actualité ba yebi que papa Ebama, Alphonse Ebama, oyo ami bimisa comme président national ya Apareco, président national AI d'après ba décision à justice, donc intérimaire, hein, d'après ba décision à justice Nege Bimaki Awa, la dernière notamment, il y a le 17 novembre 2023. Papa Ebama donc a outé qu'on une déclaration dernièrement pour n'en coller que Apareco, tokomi ko soutenir Denis Mukwege, Ndengazo Kedike ba élection. Donc déclaration na sali en français tout à l'heure, beaucoup Rolandango, pour yo kande to expliquer bino que biso ba e toza na kati ya entre guillemets Apareco RC toza ko partager ma kanisi wanate et puis papa Ebama azape na capacité pe ya ko engager Apareco boite parce que ba décision en justice ou pesa maki eza ko limiter ba champ na e ya action et non seulement ça mais en plus biso en tant que baye toza ki ko travailler réellement na papa Ngwanda to yebi que wana eza idéologie na biso te Apareco to tikala to sito lobango papa Ngwanda sala ba déclaration ebele na ko renvoyer le binongo sous nos pensées les noms du sous biso toza bateau toko ko s'associer le sous te na bateau baza ko kenike ba élection toza bateau toko ki pe ko s'engager na kati ya élection te pour biso to prendre ka soulèvement populaire wana nde idéologie ya biso bangwandiste donc nzela o papa Ebama azui eza a l'occasion en quoi titre personnel mais a ko engager biso te pe batu nyonso ba ko linga ba lobela makambo a Pareco ils sont obligés de tenir compte du fait que il y a encore une autre procédure, il y a justice. Oyo, papa Ebama, il va devoir répondre, puisque na tribunal autokenara la dernière fois, bah recommanda qui, bah membre na biso, bah pesa qui bango raison d'abord par rapport à bah litige au bah mema qui kuna et bah recommanda qui bango que bah mema papa Ebama posait qui na référé, donc fallait trop mema baye na tribunal au fond. Et cette action est en cours. Donc na okota na ba détail mingte beaucoup bolanda déclaration de na sali tout à l'heure. Na ligne par contre na ou à Mangoura Mouké pour nous commenter les binos, en tout cas, on appelle ça nos points de vue Nabiso ou bien Ngaï aussi par rapport il y a quelques points d'actualité. Nazo Bandana, ba déclaration Oyo Félix Tshisekedi a outre au salon à ONU. Mande Konangaï, Mingia Kolobeza Nangote concernant ba déclaration Félix Tshisekedi a qui au salon à ONU, Binoyo Sobolandi, a comment naïe spécialiste à ba promesse, a Kendagine les sous au salon à Nini, ba promesse, hein, au salon net ba promesse, net ba incantation, net, voilà, hein, comme il a qui ça, Koloba et tout ça, mais c'est pas ce que les Congolais peuvent attendre de quelqu'un qui se prévaut, soi-disant, Yakozala Moutaza, soi-disant président Il y a Mboka na biso en fin de mandat. En plus, c'est pas le moment de faire des promesses. En fin de mandat, on fait des bilans. En fin de mandat, à la limite, on peut poser les derniers actes, hein, au Tozan Angoua reposé pour que, Monaco Salagi, quand même quelque chose. Or, Félix Tshisekedi dit, en fin de mandat, il est encore en train de vous faire des promesses. Mandé Konanga, Minga Kolbezate, depuis des années ici, depuis Tatana, Nabatunae, Bazawa, Nabino Morobozo, Monaco, situation au Congo, et ça, qu'on s'améliorait. Et surtout, au niveau sécuritaire, les choses sont plutôt en train de s'aggraver.
Félix Tshisekedi, c'est pas le moment de faire encore des promesses, des incantations. Bah, acto a posé dernièrement, notamment en reconduisant le mandat à EAC et tout ça. Azotia mounoko par rapport à bato ya MONUSCO, mais il y a aussi les troupes de l'EAC. À Salak, yemoutaye ko repousser le sous délai pour que soi-disant bato na ba kende menga na koko yusabino que na ba élément au biso d'aujourd'hui na réseau ya biso ya bato papa Ngwanda, ben auprès notamment ya ba député au bazar na mboka na biso. Ils n'ont pas l'intention, en fait, de faire partir l'EAC. Félix Tshisekedi a signé à Kingo, a signé à Kingo, a signé à Kingo, et a obligé à Tikabatoa na Katiamboka, na Bisso. Donc, Bandekonangai, il ne faut pas compter sur Félix Tshisekedi. Son rôle aujourd'hui, c'est de nous faire croire que nous avons un président. Son rôle aujourd'hui, c'est de nous faire croire que nous avons un gouvernement, que nous serions une démocratie naissante, alors qu'en réalité, non. Occupation des Batchel Bisso et Ezako se renforcer. Donc, Toza Bato, To Sengeli Kolongo, la Félix Tshisekedi, na lo mbango ceux qui t'ont dit qu'ils continuent quoi cumuler ka ba nini ba catastrophe tendre tous au monde ou que situation ba congolais s'est dégradée et au niveau économique et au niveau sécuritaire et au niveau donc au niveau social etc. Binomorombo zomona l'heure n'est plus aux promesses, l'heure est aux actions. Pour l'instant, tant qu'à poser acte mon côté au bozo mon acquis, il y a du concret pour qui peut être pour continuer au bongama pour tout le monde la bangonios. Et puis, bah au bazo mon acte au Félix Azo Sala, ce bout à la canne à Angla Kigali, beaucoup mon acquis, ma camionios Azo Sala, les autres qui ont toujours un avantage ou bien un sens à protéger Rwanda. Mais par rapport à Bissau, bah congolais, bozo mon acquis, les choses ne font que se dégrader. C'est là où vous devez savoir beaucoup mon acquis. À quoi joue réellement, à quel rôle joue réellement Félix Tshisekedi? On n'a pas besoin des paroles, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. Pour l'instant, c'est zéro. L'équipe n'a point où il y a la déclaration où il y a Corneille Nanga à Wutikosa et Labino dernièrement. Azo le Belabino que non, à comme que le Belabaloba, soi-disant, voilà, bah, élection, Félix a gagné bah, élection, t'es bandé Gonangaï. Nous sommes dans un régime d'occupation. Montunyoso, Congolais nyoso a quoi obéter nous masoula l'élection. Boye bakazo trahir bino. C'est ça la réalité. Parlons peu, parlons bien. Congolais nyoso a quoi obéter nous makamwa l'élection. Azo trahir na ebino. Consciemment, inconsciemment, ça c'est peut-être autre chose. Mais azo trahir. Et na niveau ya mutoko a Corneille Nanga boye baza muto azana ma boko ya Barwande. Azana ma boko ya Kinga ya Kinga Kati. En réalité, mission na e azana ngo lelo. Eza ya ko préparer. C'est là pour que Lingomba ngulupa ya bato baza na sima Kabila na yemoko na tout ce qui est tout type power et tout ça bato ya Kigali ba continuer ko konza mboka na biso. Donc problème na bango lelo c'est que Félix Tshisekedi azo sala musala sundenga ba lingi penza te et bazo sala en sorte bacha e pression et ça c'est une dépression qu'il a que nanga o nanga zo mais c'est une dépression où en réalité ba Rwanda bazo sala sur Félix Tshisekedi ko l'accès que soka meki ba comme net na épée de Damoclès na Nicolas Mutu nae mais bah, la réalité zanine bisoto c'est pas là parce que ba pc biso raison ba ngone so bazaki miyibi ba ngone so bae ko bomisa ba congolais inutilement Corneille Nanga c'est comment dire c'est un petit diablotin. Hein, un petit démon qui veut se faire passer pour un saint, hein, un démon au service de celui qui a Kinga Kati là-bas. Et donc, on n'a rien à attendre des gens comme ça. En réalité, Nandenga a déclaré ouvertement de façon Oyoye a participé à l'escroquerie, au hold-up électoral, au Salami Nambo Kanabiso. Il devrait être derrière les barreaux. On va pas absoudre les gens ici par rapport, hein, parce qu'il y a que le Belabiso, que oui, voilà, c'était comme ça. Mais Azo le Belango Ponani Lelo. Parce qu'à Zubazu, bah, problème entre Bango, y'a Bissoni, Nakati. Na yé, na Bango, Bango n'y a ce photo bien à la Bango. Hein? Donc, bah, PC Bissot raison. Bilo, papa, on voit la Zaki, Bissot, Bando, Kala. Bah, PC Bissot raison. Donc, bah, PC Bissot raison. Donc, en réalité, aujourd'hui, Tozan attend qu'on perdre été, hein. T'o continuera qu'on s'en a bah, bilan, y'a bah, échec, y'a bah, mensonge, y'a bah, nini. T'o si t'o comprendre le lot que, bah, ton an, yon, so, bah, Zanakat, y'a système, ou, y'a, qu'on y'a, qu'on l'a, bah, congolais. Bah, Zanakat, y'a système, ou, y'a, ça, là, que, bah, paille, bah, mi-bi, ou, bah, Zalibanda, bah, Sangani, bah, mi-bi, ou, Tozan, on a qu'à, mboka, pour, bah, boto la biso souveraineté, na biso, bah, boto la biso kita na biso, bah, ça, en sorte que, République démocratique du Congo et qu'elle a beaucoup y a pas paye tout ça n'attire pas toi n'ayez sauté qu'on a une langue bien gagné n'ayez n'a pas Félix ces abattoirs bien gagné collabo beaucoup d'années ces occupés n'a pas collabo n'a pas occupant bango n'est sur photo bien gagné bango et c'est là où papa nous voit dans qui comprenait soulèvement populaire où na outi que nous bien gagné moi mon kena déclaration na sali par rapport à bah problème tout ça on a qu'à tirer par écho mais n'a aussi dit ça avec un dernier point na base en décodeur tapé azo l'excellabino ba vidéo bota landenge ba te belé ba lobé ki makambo ya arrangement monsieur abengi yango nini arrangement à l'africaine
hein, Le Drian, l'ancien ministre français là, donc Batobele Balobelango et Zalaba congolais et Zala Félix et Basala accord na Batouane et puis accord au Félix à Sali na Kigali et outi koutou l'éloté na outi koutou l'éloté dernièrement et Zaba azo géré ba accord au papa na est déjà salaka hein bande konara bobo sanate na Saint City leur ba Roubaix wa bazui possibilité pour ba kendeko ba pour que Roubaix wa akoma à la tête y a vice président c'est en charge y a sécurité na défense pour talaka abino abino moko Rwanda commis la sécurité de la défense dans Mbouka Nabiso, c'était avec l'aide de l'UDPS. Donc, bah, trahison à Félix Bandi Bandakala, Azala qui na Ibiza, Azala qui Bablo, vous se rappelez Bablo, vous avez dit Sabino, donc à Banako Beta Match ni Bandakala. Donc, Oyotoye Komona, Nézaka avec Félix Nani, Joseph Kabila, ne pouvons pas rempiler parce que bah soutien n'aya midé le balinga du sous-souté bazarotia pression il a choisi un dauphin de Basenga qui est et la communauté internationale a validé tout simplement donc l'élo bah événement puis biso raison biso batobele balobelango ezala ba congolais ezala Félix et bah ça là accord na Batouane et puis accord au Félix à Sali na Kigali et outi koutou l'éloté na outi koyeb sabino dernièrement eza ba azo géré ba accord au papa na est déjà salaka hein bande konara bobo sanate na Saint City leur ba Roubaix wa bazui possibilité pour ba kendeko ba pour que Roubaix wa akoma à la tête ya vice président c'est en charge ya sécurité na défense pour talaka abino abino moko Rwanda commis na sécurité na défense na Mbouka Nabiso c'était avec l'aide de l'UDPS donc ba trahison à Félix et Bandi Bandakala, Azala qui na Ibiza, Azala qui Bablo, vous se rappelez Bablo, vous avez quoi, Sabino, accord, donc à Banako Beta Match ni Bandakala, donc Oyotoye Komona, Nézaka avec Félix Nani, Joseph Kabila, ne pouvons pas rempiler parce que soutien n'a midé le balinga du sous-souté, Bazarotia pression, il a choisi un dauphin de Basenga qui est et la communauté internationale a validé tout simplement. Donc l'élo, événement, puis biso raison, biso bateau de Zalanda qui papa honoré une bande. Mais le plus grave aujourd'hui, Eza, bota la situation au Ezana Est, Bande Kolangaï, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Na Essengin de Kodosta, Alex Elino, image, au Bande Ko, réseau papa Ngwanda, signala Ngaï, Ndenge Bazar Ko s'enrôlait massivement. Ce sont des images qui ont été diffusées par une télévision tanzanienne, mais Moutnami Soumoko Azalarakunando, Alex Elbisongo, au Balanda, la situation côté Kuna, et Alobi, lié depuis à Vivarana, Mbokawana, a yebi que ba Kenyan d'habitude, ba Lingarako s'enrôlait t'es na armée. Hein, ça a toujours été difficile pour ba s'enrôler. Mais les lobos, t'as la pas image, il y a des milliers de Kenyans qui sont en train de s'enrôler. Pourquoi? Parce que ba Ndeko na Bango, oh ba Wuti Congo, bazo, ba Ngindi tellement, donc épaissi, ba Tona Nyonso engouement, pour ça, il y a quoi dans le Congo. Alors, Botalaka Binomoko, avec les décisions inconséquentes au Félix, à cause du gouvernement, il y a coupé sa bateau en sa possibilité, il y a un bon sans visa. Binomoko, ba Congolais, Bozana carte d'électeur, pratiquement, enfin, en train de mauvaise qualité. Donc, en réalité, aujourd'hui, ba Congolais, Bozana carte une identité. Donc, vous, aujourd'hui, vous n'êtes, c'est comme si vous n'existiez pas. Par contre, Batouana Nyonso, enrôlement, Sali Baclé, ce n'est pas Baclé pour tout le monde. Tous ceux qui sont côté à Kigali, côté à Rwanda, etc., il y a beaucoup de gens qui ont pu s'enrôler. Et vu le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, le Rwanda aujourd'hui est en mesure de fabriquer des cartes d'électeurs à volonté, puisque Mbokeza n'a pas beaucoup d'abango. Autorité n'a pas beaucoup d'abango. Ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en cause à la bateau bazo zo ba la décision non mais bozo mona bien qu'il y a des limites au bazanango ti le lo bazo longola bino ba militaire rwandais ou ba policier rwandais bazan kat na bateau ba rwandais au bazan ba kat ya service de sécurité na bisoté ou bien batunyo so bazo sa na kabila bazo ko longola bango te pona nini parce que en réalité mboka ezana nous na maboko ya Kigali donc aujourd'hui ba fungoli ba porte na ba fenêtre pour que bato na nyoso ba ko ka sopana na mboka na biso pe boke ba na loi tianyo bazo linga ko chawana pourquoi parce que oui la loi en soi, c'est vrai, dans un autre contexte, oui, il faut protéger poste régalien et tout ça. Mais il faut vérifier parce que ça n'a pas de détails. Nous sommes dans le cas où que Nini, Bazolinga, même que Moutounyonso et Azala Kiwana Nate, Nambo Kanabiso, en 1960, Moutounyonso, dans le Bikarate congolais, Moutounyonso, Azala la possibilité à cause de nationalité congolaise. Ça veut dire, Naba portugais, Naba Nini, Ba français, Naba belge, Ba Onyonso, Ba Komaba. Donc ce cas, Papa Nayo, Azala Ki, Ndekonayo, Azala Ki, Awa, Nambo na biso na 1960 ba union ba koma ba congolais donc bota la nombre ba to ba ko côté la biso y compris ba to ko ba Moïse Katumbi ça va régler le problème ya ba identité ya ba nationalité la bango etc. Donc boye ba que le parlement que nous avons là c'est pas un parlement c'est un parlement qui est issu du régime d'occupation ils sont là pour faire le travail pour eux
Hein? Donc chaque fois que bah, on a le à gauche, on a récupéré à droite. Donc en réalité, ce qu'il faut qu'on fasse, ça n'est pas salité. Il faut que pangusango balia quand ça n'est pas salité. On pangusa d'abord et après on découvre qu'on lia. C'est la situation dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo. Exactement que bon, on a copé nos missionnaires, on s'est dit copé nos missionnaires. Alors que bah ici nous que poison ils en a quatre. Hein? Donc voilà, ils vous arrivez des bricoles. Donc aujourd'hui, situation aux Angola les lots, ils a tellement gravissime, bande konangai tobongama pona soulèvement. Nous sommes en guerre. On nous fait la guerre, c'est pas parce que bisozo là la tozo la muka to liko bouger te que on nous fait pas, on nous fait moins la guerre. Non, nous sommes en guerre, il faut juste un détour préparer riposte et qu'il y a de toute manière. Pourquoi? Parce que bango kuna en face va changer ma plan na bangote. Or côté na biso bat bako miko la muka de plus en plus et bato ko la biso auto ça qui déjà éveillé depuis, nous sommes encore plus déterminés qu'avant. Ça veut dire qu'en réalité ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le nombre de Congolais qui sont contre ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux, nous sommes beaucoup plus déterminés. De l'autre côté, ils n'ont pas changé leur plan. Na ba mindelo bazana simela bango, ba changer ba plan na bangote. Donc nous sommes en train d'aller de toute manière vers un affrontement. Bande konanga, il faut ko bongama. Nous sommes en guerre. La seule chose qui se passe, c'est que les Congolais n'ont pas encore commencé à riposter. Et de toute manière, nous allons y arriver. Alors bo bongama. Ingeta. Communiqué. Faux, la PARECO ne soutient ni le docteur Denis Mukwege, ni aucun autre candidat aux éventuelles élections en République démocratique du Congo, pays occupé. Alphonse Ebama vient de jeter le masque. Les véritables résistants congolais réunis au sein de la PARECO ou du CNRC ne trahiront ni l'idéologie ni la mémoire d'Honoré Nguanda. Paris, le 24 septembre 2023. Suite au décès de M. Honoré Nguanda, et aux tensions qui avaient suivi les divergences internes de son mouvement, la PARECO, plusieurs d'entre nous avions gardé nos distances vis-à-vis de M. Alphonse Ebama, qui se prévaut actuellement d'être le président national de la PARECO, et les autres membres de la PARECO qui s'étaient alignés derrière ce dernier. Regroupés aujourd'hui derrière l'appellation APARECO RC, Résistance Congolaise, pour des raisons de communication et en référence à notre média de communication, www.resistancecongolaise.fr, toujours membre du CNRC, Conseil National de la Résistance Congolaise, tel que l'était M. Honoré Nguanda jusqu'à son décès, nous avions tenté en son temps d'alerter l'opinion et en particulier les autres membres de la PARECO du fait que M. Alphonse Ebama était depuis belle lurette en rupture avec l'idéologie de la PARECO telle que prônée par M. Honoré Nguanda, et à laquelle nous avions tous adhéré. En effet, d'après diverses sources du réseau de renseignement de lui-même, donc M. Honoré Nguanda, du témoignage de ce dernier également de son vivant, y compris aussi d'après un rapport interne d'un cadre de la PARECO, M. Ebama souhaitait en réalité rentrer à Kinshasa, quitte à intégrer les institutions en place, ce qui était en contradiction totale avec les principes mêmes de la PARECO. En réalité, c'est dans ce contexte qu'il faut considérer la demande de mise en disponibilité qu'il a faite auprès de M. Honoré Nguanda quelques mois à peine avant le décès de ce dernier. Premier point. Alphonse Ebama était déjà pratiquement en route pour Kinshasa, d'où en partie ses divergences avec M. Honoré Nguanda. Cette information concernant les projets de M. Ebama nous a également été confirmée il y a quelques mois par un proche actuel de M. Denis Mukwege, un ancien cadre de l'UDPS, avant que ce dernier, donc ce cadre, ne se joigne à l'équipe du docteur Mukwege. Lors d'un entretien, notre interlocuteur s'étonnait même à l'époque de voir M. Ebama se démener pour accéder à la tête de la PARECO alors qu'il lui avait personnellement déjà fait part de son projet de retourner en RDC et cela du vivant déjà de M. Honoré Nguanda. Notre interlocuteur, qui connaît à la fois très bien M. Ebama, entre autres pour des raisons familiales, il connaît aussi la PARECO et même M. Honoré Nguanda et l'idéologie de notre mouvement, savait très bien que de telles démarches et une telle position de M. Ebama mettaient automatiquement ce dernier en rupture avec la ligne idéologique de la PARECO. Deuxième point, les dernières décisions de justice en France limitent largement l'action de M. Ebama et un autre procès est déjà en perspective. La PARECO RC informe également que d'après les dernières décisions de justice des tribunaux français, dont nous joignons quelques extraits et que vous pouvez voir aussi sur notre site,
Premier point, donc petit a, le tribunal de Nanterre a dit clairement en octobre 2022 que la marque Apareco ne peut appartenir à aucun membre de l'Apareco en particulier, même pas fût-il un cofondateur. La marque Apareco appartient à l'Apareco. Ainsi, même M. Ebama ne peut en disposer à sa guise, tout simplement parce que les statuts qui régissent l'Apareco ne le lui permettent pas. Petit b, quant au tribunal des référés de Créteil, il a suspendu le 17 novembre 2022 tous les effets du prétendu congrès extraordinaire organisé par M. Ebama en juin 2021 et l'ayant déclaré président national full de l'Apareco pour prendre la suite de M. Honoré Nguanda. Ce tribunal a estimé que ce congrès était truffé d'irrégularités et a recommandé au requérant de saisir le juge au fond pour son annulation pure et simple. Les requérants et membres de l'Apareco RC concernés ont depuis décidé de suivre les recommandations du tribunal de Créteil et leur seconde action judiciaire contre M. Ebama est actuellement en cours. Pour illustration, le tribunal de Créteil donc avait estimé que M. Ebama n'avait pas été en mesure de prouver, par exemple, que le quorum des votants était atteint, parce qu'il n'était pas en mesure de prouver ni le nombre ni la qualité des membres de l'Apareco y ayant participé. Le même tribunal de Créteil, dans sa décision du 17 novembre 2022, a exigé de M. Alphonse Ebama la convocation d'un autre congrès de l'Apareco en qualité de président national ad intérim de l'Apareco. Vous pourrez retrouver des extraits de cette décision sur notre site ou dans le communiqué que nous allons faire circuler. Ces décisions que M. Ebama ne semble pas pressé d'appliquer, préférant certaines déclarations pratiquement à l'emporte-pièce, comme on a pu voir dernièrement. 3. M. Ebama n'a pas qualité pour engager l'Apareco dans une quelconque alliance avec Denis Mukwege ou autre. Petit a, au-delà du fait que le poste de président national AI n'existe dans aucun texte de l'Apareco, ce qui avait déjà été à la base du litige opposant M. Ebama aux membres de l'Apareco RC, d'après M. Ebama et son équipe lors de leur précédente prise de position devant la période de tension au cours de laquelle ils s'opposaient aux autres membres de l'Apareco RC, je cite, un ou une présidente nationale AI n'est censée qu'expédier les affaires courantes et préparer le congrès qui permettrait à l'Apareco de se doter d'un ou d'une présidente nationale. Fin de citation. Petit b, donc, d'après eux-mêmes, un président national ad intérim ne peut ni procéder à des nominations, ni encore moins conclure des alliances ou prendre d'autres décisions importantes qui relèvent uniquement soit du congrès de l'Apareco, soit d'un président national full. Or, plusieurs actes posés par M. Ebama ne relèvent d'aucun de ces cas de figure. 4. Denis Mukwege, ses zones d'ombre et ses casseroles. Par ailleurs, la position de l'Apareco au moment du décès de M. Honoré Nguanda était que nous ne soutiendrons aucun candidat aux élections et nous garderions de poser tout acte susceptible de servir de caution à un scrutin électoral en République démocratique du Congo alors que notre pays est toujours occupé et en voie de balkanisation. Pour mettre un terme à l'occupation de la RDC, aujourd'hui, la position de l'Apareco par le biais de M. Honoré Nguanda était très claire. Nous prenons le soulèvement populaire et non un quelconque partage du pouvoir avec les occupants ou les collabos, ou encore moins des élections. Il est donc ainsi d'autant plus évident que la déclaration d'un prétendu soutien au docteur Mukwege, candidat potentiel aux élections en République démocratique du Congo, pays occupé, des élections hypothétiques en plus, n'engage que M. Alphonse Ebama lui-même. Cette annonce de sa part dévoile à tous la trahison des idéaux de l'Apareco et il appartient à tous les membres de l'Apareco fidèles à l'idéologie de la résistance telle que prônée par M. Honoré Nguanda d'en tirer les conséquences et de le désavouer sans ambiguïté. De plus, comme nous avons eu à le dire clairement, M. Mukwege n'a pas encore levé toutes les zones d'ombre relatives à sa biographie ou d'autres affaires le concernant. Nous reviendrons sur ce point dans le point 6 à venir. Point 5 donc, autre incohérence et voyage à Kinshasa. Petit a, donc des incohérences. Par ailleurs, il est à noter que faisant fi de toutes les considérations ci-dessus, ainsi que de la décision de justice du tribunal de Créteil du 17 novembre 2023, M. Alphonse Ebama a procédé à plusieurs reprises à des prétendues nominations au sein de l'Apareco, dont voici les références.
Décision numéro 04-2608-2021-EN du jeudi 26 août 2021. Décision numéro 19-08-02-2023-EN du mercredi 8 février 2023. Décision numéro 22-2023-05-51-2-EN du 12 mai 2023. Décision numéro 23-2023-08-02-EN du mercredi 2 août 2023. Or, chacun se souviendra des attaques dont nous avions fait l'objet lors de la mise en place à laquelle j'avais procédé en avril 2021, juste après le décès du président national de la parité. Comme nous le rappelions ci-dessus, il nous avait été opposé le fait qu'un cas ou une présent AI n'a pas le droit de procéder à des nominations. Chacun peut comprendre aujourd'hui que ces déclarations cachaient en réalité d'autres motivations inavouées, pour ne pas dire inavouables. Petit B, voyage des cadres à Pareco et Ebama à Kinshasa. De même, les réseaux de M. Noré Nguanda nous ont à nouveau signalé non seulement des démarches opérées par M. Ebama auprès des institutions en République démocratique du Congo, et nous y reviendrons en temps voulu, mais ils nous ont encore apporté donc une preuve supplémentaire des voyages à Kinshasa de M. Georges Modiki, nouveau secrétaire général adjoint, je pense, nommé par M. Ebama, en tout cas cadre actuel de la Pareco, du côté de M. Ebama. Nous vous présentons ici une photo de ce cadre de la Pareco à l'aéroport en partance pour Kinshasa le 13 mai 2023, vol Bruxelles Airlines SN357, départ de Zaventem. Des réserves quant à un mémorandum introduit auprès du Parlement européen en association avec des soutiens du Dr Mukwege sans avoir été communiqué à tous les responsables de la Pareco RC. Il est également à noter que suite à une autre démarche opérée par l'un des membres de la Pareco RC auprès du Parlement européen en compagnie de plusieurs compatriotes soutenant le Dr Mukwege, en tant que plus haut cadre de la Pareco RC et en accord avec d'autres de nos membres, je tiens ici à informer toutes les personnes concernées par cette action que suite au refus par la SNE Marie-Sylvie Donja de nous communiquer jusqu'à ce jour le contenu de ce document pour des raisons qui lui sont propres et qu'elle ne nous a pas communiquées, nous nous voyons dans l'obligation de faire savoir clairement que nous ne cautionnons pas ce document. Dans le fonctionnement de la Pareco, il n'y a rien qui puisse justifier une telle attitude. N'importe quel membre ou cadre de la Pareco est en mesure de savoir que cela va totalement à l'encontre des pratiques de notre mouvement et peut à juste titre paraître suspect. Nous ne pouvons pas juste dénoncer le comportement de M. Ebama, d'une part, et cautionner une démarche dont nous ne sommes pas en mesure de confirmer à ce jour si elle ne pourrait pas être interprétée comme un soutien camouflé au docteur Denis Mukwege, cité pourtant dans l'affaire du Qatargate, le scandale qui secoue encore cette même institution européenne actuellement. Au vu d'autres informations en notre disposition et au sujet desquelles nous reviendrons d'ici là, et suite à cette affaire de corruption au sein du Parlement européen, ne souhaitons pas être associés sans transparence de surcroît à une démarche commune avec le Dr Mukwege ou ses soutiens dans une action auprès du même Parlement européen dont la vice-présidente a été arrêtée, fait gravissime, suite au scandale auquel nous venons de faire allusion. Des membres du Conseil national de la résistance congolaise, le CNRC en sigle, dont plusieurs banderoles ont été reproduites au cours de cette action menée le 13 septembre dernier, en retirant les logos du CNRC, aux membres donc de la Pareco RC, nous ne soutenons pas le docteur Denis Mukwege et nous ne souhaitons aucune forme d'ambiguïté à ce sujet. En tout cas, nous ne le soutenons pas pour sa candidature éventuelle aux élections, etc. Nous avons d'autant plus de réserves concernant l'exploitation éventuelle et à notre insu de cette action parce que parmi les personnes présentes au Parlement européen et ayant apparemment parlé au nom de tous, l'une d'entre elles, en particulier M. Odimba, pour ne pas le citer, fait partie des personnes qui ont véhiculé dernièrement des informations erronées en rapport avec la biographie du même Dr Mukwege. M. Odimba ne s'en est toujours pas excusé ou expliqué publiquement à ce jour auprès des Congolais qu'il a induit en erreur après pourtant en avoir reconnu les faits en aparté. La Pareco RC et le CNRC, nous nous sommes déjà exprimés publiquement sur ce point précis et avec des éléments à l'appui. Dans tous les cas, nous reviendrons prochainement avec d'autres détails sur le cas du docteur Denis Mukwege et les raisons pour lesquelles nous sommes encore plus convaincus aujourd'hui que les Congolais ne devraient en aucun cas le soutenir pour diriger éventuellement
notre pays. Son prix Nobel ou toute l'assistance médicale qu'il apporte aux femmes congolaises n'en ont pas pour autant fait un saint, loin de là. Nous invitons les Congolais à rester vigilants et sans naïveté à son sujet. 7. En conclusion. Bien que la PARECO ait traversé des moments difficiles depuis le décès de M. Honoré Nguanda, son idéologie et ses principes restent accessibles à tous, tant notre défunt leader a veillé à diffuser au maximum son message à travers de nombreux supports. Nous appelons donc à la vigilance de tous ceux qui sont amenés à travailler avec ceux qui se réclament, comme des Nguandistes ou des membres de la PARECO, pour éviter d'être inutilement induit en erreur en s'investissant dans des actions qui seront de toute manière contestées ou stériles. Aux membres de la PARECO, à tous les Congolais qui s'estiment Nguandistes et qui ont à cœur de poursuivre le combat de libération de la RDC selon l'idéologie de M. Honoré Nguanda, tout en respectant la mémoire et l'œuvre de ce dernier, nous vous invitons à vous armer de courage et de détermination comme notre défunt leader, face à la gravité de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Peu importe les difficultés ou les obstacles qui se dressent devant nous, nous n'avons pas d'autre choix ou d'autre perspective que celui de gagner ce combat dans l'intérêt du Congo et des générations congolaises à venir. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous ressaisir et de relever tous ensemble le défi qui se dresse devant nous en appliquant autant que possible la feuille de route que nous a clairement tracée M. Honoré Nguanda. Nous ne devons pas nous sentir découragés parce que de nombreux faits nous prouvent aujourd'hui à quel point notre leader et nous-mêmes, donc, qui étions avec lui, avons raison. Nous sommes dans le bon et nous devons donc tenir bon. Nous ne forcerons bien évidemment personne à nous suivre. Mais nous devons veiller à ce que plus jamais des Congolais résistants, membres de la PARECO ou pas, qui ne se reconnaissent pas ou plus dans la vision de combat incarnée par M. Honoré Nguanda, ne sèment la confusion dans nos rangs simplement parce qu'ils veulent à tout prix s'accaparer du fruit du travail de M. Honoré Nguanda et de la PARECO, en les dénaturant pour certains dans le simple but de le monnayer. Nous devons fermement tous les inviter à assumer leur position et les sortir de nos rangs sans tergiverser et sans atermoiement. Honoré Nguanda n'a cessé d'appeler les résistants à s'identifier où qu'ils soient. Cet exercice est absolument nécessaire pour garantir l'efficacité de notre combat. Le principe de refondation auquel nous avons tous adhéré passe aussi par cela. Ingeta, Paris, le 24 septembre 2023, je recommence. Ingeta, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Paris, le 24 septembre 2023, Candide Okeke, vice-présidente de la PARECO, en charge de la communication et la planification de la PARECO, telle que nommée par M. Honoré Nguanda, responsable du pilotage stratégique du CNRC, Conseil national donc de la résistance congolaise, et responsable du site www.resistancecongolaise.fr. Merci beaucoup, Madame Candide Okeke, la Lionne, l'héritière ya trône ya Mese Honoré Nguanda Nzambuko Atumba. Au jour d'aujourd'hui, nous avons annoncé officiellement na misu ya batu nyonso boyoki réaction maman Okeke ke apareko ozaki inspiration ezaki conception ya Mese Honoré Nguanda Nzambuko Atumba. De résumé moi article biso insecté 21 mars 2021, lelo ekoti virus. Nani Oyo Azaki présent à l'intérim à un moment donné, après avoir aucun débat tribunaux, par-ci par-là, mais c'est Ebama Alphonse Oyo Azaki bateau de commandement ya PARECO. Mais na dénoncé ya Mouta, Mingi Outa, ba Mboula Topé, ba Poso Outa Koleka, mais les autres ont officiellement, mais que Messe Ebama Azali collabo, pe Messe Ebama, Lelo Aye Koko Tanakatia, Sak Oye Akanakite. Mais Ngana Lobaki en tout, qui n'a pas de Kalaka, à jamais à perpétuité, cauchemar Nabino. Ebama, tu as décidé tout le monde. O Salaranabo, Mana Obimisango, Nampoisa. Bokanga Moibie,
Bokangando qui est en mosu sunde kuyeyo. Merci beaucoup d'abonner à cette télévision. Merci beaucoup d'avoir occupé sa vision. Confiance à Hollanda. Émission que pour n'avoir parlé politique et république et démocratique du Congo. Merci na équipe costaud et à dos cette télévision. Tout peu l'équipe technique oyo. Et de ce soir à bisoter. Merci na yo oyo. Sugi balalibiso Hollandi biso. Ko bossa na tout peu gozak sa gosabonete. Peli sousou sugi o sabonan na noté. So o sabonan déjà. Tiki la vision commentaire na yo sa vision plaisir. Makasi. Please bo like ba vidéo na vision. Merci na maman. Catherine Ngwanda, Zali partenaire en Abisso, à côté de Kakabisso, et tout le temps en occasion de Moussousou. Merci beaucoup.